Dimitri ? Dimitri ? Oh Dimitri, fais attention, il peut être dangereux. Non, c'est génial, ils sont super gentils ici. Je sais, mais bon, on sait jamais. D'ailleurs, tu sais où il est ton père ? Ah papa, là, il a été chercher un endroit à l'abri pour faire un feu de camp et afin de pouvoir manger. D'ailleurs, il arrive. Bibou ! J'ai trouvé un super endroit pour qu'on puisse manger et puis se baigner à la fois. Allez, venez ! Ah, c'est parfait, ça. Tu viens, Dimitri ? Au revoir, Pumba. Fais-toi pas bouffer. Ouais, j'avoue que c'est un bel endroit ici, quand même. Hein. Ouais, je suis d'accord que... Ouais, c'est sympa tout ça, mais bon... Je commence à avoir la dalle. Et on mange quand ? Ouais, bientôt. Là, on n'a pas encore mis à cuire. Là, ton père est allé chercher les provisions. Ouais, mais je commence à avoir faim. Et mes amours, j'ai une bonne nouvelle. On va enfin pouvoir manger. Venez. Bah voilà, t'as entendu, on va manger. C'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Allez, j'arrive. T'es sûr qu'il n'y a aucun inconvénient qu'on s'installe avec lui ? Ah non, t'inquiète. Je lui ai parlé tout à l'heure. Justement, ça lui dérange absolument pas qu'on soit là. Alors du coup, tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, hein. Vous voyez, il est content. En même temps, j'avoue que manger, ça ferait du bien. On peut arrêter de parler, j'ai trop faim. Ouais, faut quand même l'avouer, ça fait du bien. Entièrement d'accord avec toi. Tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés ? Bien sûr. C'était la première fois que je t'avais invité au restaurant, puis que j'avais rien pour payer. J'ai jamais été autant pauvre. Tu sais, des fois le temps nous rattrape et tout, ça me fait vachement peur. Arrête de te poser toutes ces questions. Allez, viens. On va se poser là-haut. Ah, t'es sérieuse ? Non, je suis désolé, je suis vraiment fatigué de la journée. Mais par contre, je te regarde. Vas-y. Trouillard. Alors, tu vois, y a aucun danger ? Oh, ça doit faire mal. Ça va, Bibou ? Plus de peur que de mal. Hein ? Ils sont vraiment obligés de faire autant de bruit. Oh. Quel beau plateau. Et j'avoue, de toute façon, tu peux pas tomber plus bas. Allez, viens, on va se coucher. J'avoue qu'il commence à se faire tard. Ah. Vous êtes qui ? Ah, ma tête. Chou ? Dimitri ? Où c'est qu'ils sont ? Chou ! Dimitri ! Oh, ma tête. Ah, je peux pas bouger. Je suis où ? Bibou ! Ah, je vois quelque chose là-haut. Laisse-moi juste t'enlever ça, on a un sacré problème. Ah, merci. Merci beaucoup, Amélie, mais il est où, Dimitri ? Je sais pas du tout. Le vieux et Dimitri ont disparu. On peut pas rester ici, faut vraiment qu'on y aille. Allons-y. T'inquiète pas, bonhomme, on va te retrouver. Y'a quelque chose là-bas. Viens. On y va. RS, on y va. Ah, c'est immense, mais on rentre par où, tu crois ? Je crois qu'on n'est pas tout seul. Mets-toi à l'abri, je m'en occupe. Mon nom est Nemga, et votre place n'est pas dans ce royaume. Mets-toi à l'abri, mon cœur, je m'en occupe. Ça marche, fais attention à toi. Où est mon fils ? Pour le petit, justement, ça va être une autre histoire. Mais restez bien à votre place si vous voulez qu'il ne lui arrive rien. Ceci est votre épreuve. Il y en a quatre sur le plateau. Menez à bien les épreuves qui vous y attendent et vous retrouverez votre fils. Menez juste à bien votre mission si vous voulez pas qu'il lui arrive quelque chose. Par où on passe ? Attends, il y a un truc ici. Ah, c'est ça le plateau ? Ah, c'est immense ! Chou, je suis ici. Bouge pas, je vais trouver un moyen pour descendre. Fais attention à toi. Ah, je vois un appui. C'est parti. Tu t'es pas fait mal, j'espère. À deux doigts de la chute, mais ça va, franchement. Je veux pas te stresser, mais faut vraiment qu'on y aille. T'as raison, faut qu'on y aille. Donc voilà, Chou, si on veut avoir une chance de récupérer Dimitri, il faut vraiment faire ces quatre épreuves. Comme l'a dit Nanga, oui. Alors la seule solution pour que ce soit vraiment efficace, c'est qu'on se sépare en deux. D'accord ? J'aimerais vraiment revoir Dimitri, j'espère qu'il lui arrive rien. Je sais que ça chamboule pas mal, mais faut pas qu'on oublie qu'on est là pour Dimitri. Voilà, je t'ai ouvert la porte. Ok. Je t'aime, Bibou. Sache que je t'aime aussi. Prudence, hein. Fais attention à toi, Amélie. Ah, mais il y en a une là. C'était quand même plus facile à la trouver que ce que je pensais. Et par contre... Je vais devoir grimper tout ça ? Bon, c'est bon, je suis un caillou, moi.
Ah, ça fait vachement haut quand même. Faut pas tomber. Allez. Ah ouais, t'as intérêt à être bien, toi. Bon, pour Dimitri. Ah, je suis où encore? Ah, mais c'est toi? Nos chemins se recroisent à nouveau. Écoute-moi bien, la tête de nonos, j'espère que t'as rien fait à Dimitri, hein. T'inquiète pas, le gamin, il n'a rien. Y a intérêt, alors maintenant explique-moi qu'est-ce que je fais ici. Tu as ici ta première épreuve. Pour la valider, tu dois aller jusqu'au sommet. Quelqu'un t'y attendra pour valider cette épreuve. Tombe ou échoue, et ceci te sera fatal. Ah non, mais attends. Ça serait ça, la première épreuve? Hein? Tu es ici, sur ta première épreuve. Je vous écoute. Dans cette épreuve, tu dois accompagner un véhicule jusqu'au bout sans qu'il se fasse détruire. S'il faut arriver jusqu'au bout, oui, non, y a pas de souci, hein, je sais sur la route. Hein. Échoue, et ça te sera fatal. Quelqu'un t'attendra à la fin pour pouvoir t'amener la prochaine épreuve. Bon, alors c'est parti, on va faire ça. J'espère vraiment qu'Amélie va bien, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bah, on a quand même pas mal monté. On va pas se décourager. Allez. Banzai. Ah, mais c'est trop chouette, on dirait un mini-jeu. Reste encore ça à faire. Mais t'es pas une tafiette, t'es pas une tafiole. Allez, tu peux le faire. Ah, si je tombe, je suis de la chair à pâté, on va faire gaffe. Allez. Pour le véhicule, c'est ok, mais la personne qui doit m'accueillir, c'est... Ah, mais je crois que c'est lui. Oui, c'est bien moi. Tu as réussi correctement l'épreuve. Salut. Si on pouvait éviter de faire traîner la chose, il faut vraiment que j'y aille. Prends ma main si tu veux aller à l'épreuve suivante. Ça marche. Pour Dimitri. Bon, dernier bout. Qui a dit qu'on pouvait pas gravir des montagnes pour sa famille, hein? Salut. Divor, c'est toi la personne qui doit t'occuper de moi? Absolument. Et justement, avant de passer à la suite, je te propose un petit massage, si t'en as envie. On peut pas directement passer au plan B? C'est ça ou c'est rien? Bon, c'est vrai qu'un peu de détente, là, je dirais pas non. Allez. Ça fait du bien, hein? Ah oui, ça fait du bien. Mais par contre, il faut vraiment que j'aille chercher mon fils. Je peux vraiment pas rester, il faut absolument que j'aille à la prochaine épreuve. Ah, c'est bon, j'ai compris. Prends ma main. Tout de suite. Tu veux revoir ton fils? Prends ma main. Pas de magouille, hein. Pour Dimitri. Hey Nabo, c'est ici la dernière épreuve? Du coup, comme tu le doutes, là t'es à ta dernière épreuve. Et justement, pour cela, il faudra faire le Balloon Racing. Balloon Racing? Ok. En même temps, vu votre taille, justement, ça doit pas être si difficile. Ouais, c'est ce qu'il dit, micro, mais tiens. Ah, si, juge, j'ai pas de doigts. Et quand tu seras prêt, t'appuieras là-dessus. Bonne chance. Ah, mais il a disparu. Oh, c'est une habitude chez eux, même pas le temps de leur proposer un verre. Ah, c'est charmant ici. C'est tout bleu. I'm the queen of the round. Pendant que les femmes bossent, les hommes bronzent. Ouais, ça marche comment, you bouton? Hein? Mais attends, ils sont foutus de moi là, on passe d'un truc où il y a du soleil, puis là y a plus rien. En tout cas, c'est pas rassurant, c'est moins lumineux qu'avant. Elle est où la mademoiselle là? Un petit passage, c'est vrai que là je dirais pas non cette fois. Oh, faites des gosses qui disaient. Oh, puis c'est quoi ce bruit affreux? Papa, t'es là? Oui. À mon avis, il faut prendre les pastèques. Ah, ça glisse. Wouhou. Et de une. Et de deux. Brink. Et de trois. Wouhou. Ah, si c'est ça la dernière épreuve, j'imagine que Barchi s'éclate comme un petit fou. Ah, super. T'es pas une tafiole, t'es pas une tafiole. Et Limour, t'es là? C'est une langue étrangère. Je sais pas trop ce qui est marqué, mais j'espère qu'au moins il y a le dictionnaire qui va avec. Pourquoi la dernière épreuve n'était pas justement sur les papillons? Ah, j'aime bien les papillons, moi. À mon avis, Bébou, il a justement une game sur CSGO, ou tout bêtement, il a nage dans la piscine, ou c'est simplement chasser les papillons. Et la descente de l'enfer. La descente. Ouais. Doudou. Hop, vous venez avec moi.
la pastèque magique, la boule magique, la boule de lavage, on connaît tous. Ah, surtout moi. Ouais. Ha, trop facile. Ah, on est à la plage. Quand on y pense quand même, l'autre il doit se prélasser quand même à sa chasse de papillon, moi je dois faire tout le sale boulot quand même, ah, c'est dingue. Pourquoi à chaque fois qu'il faut faire preuve de courage, c'est à moi qu'on me le donne? Bah quoi, c'est vrai, Amélie est assez forte pour me gifler. Je sais pas pourquoi, mais pour une fois j'aurais bien voulu manger de la ratatouille. Qu'est-ce que c'est ce machin? Ah, c'est de toute beauté, hein. Ça brille de mille feux. Par contre là, il manque juste un truc là. Ah, c'est les manias qui ont fait ça. Ah, ils sont doués quand même, hein. Je savais qu'ils savaient faire des calendriers un peu foireux, mais... Au-delà, faire des belles œuvres comme ça, franchement, c'est magnifique. Donc c'est ça qui manque. Ah ouais, d'accord. Je peux pas peur. Ah non, il a incrusté dans le truc, lui. Donc si j'en déduis bien, c'est-à-dire que là, quelque part dans le labyrinthe, il y a encore un œil. C'est-à-dire que toi, je vais te retrouver quelque part. En vrai, c'est... Je peux même pas récupérer celui-là. Bon, courage, à demain. J'avais pas envie. Ah, mais c'est l'espace. Ah... Ah, c'est bon, on peut respirer ici. Ça me paraît très bizarre. Bon, on y retourne. Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Je suis tombé. Bon, on va éviter de tomber, ça fait peur. Ah, mais j'adore, il y a de la joie ici, hein, tu vois. Ah, mais j'adore, il y a un bain à la cerise. Ah non, oh, c'est pas de la cerise, ça. Oh, puis là, au moins, il y a du soleil. Pourquoi ça éclaire juste ça? Oh... Oh, j'aurais même pas pu profiter justement du gâteau de mamie. Il devrait mettre ça dans les aéroports quand même. Un ballon à la place de ces escalators. Ça en fera un peu de sport avant d'entrer dans l'avion, on sera bien fatigué pour le transport. Et pareil pour les bébés qui gueulent. C'est pareil. Chez. On voit toujours. C'était génial! Félicitations! Du coup, j'ai tellement de questions à vous poser! Ouais, ton épreuve est finie! Ah, tes couleurs! C'est donc ça la mort? Bibou! Oh, je suis beau! Ah, comme je suis content de te voir! On a fini les 4 épreuves, mais je vois toujours pas Dimitri. Je suis où? Voilà, gamin, tu es libre. File. Donc je change d'avis. Oui. Papa? Amélie? Hein? Je tenais à m'excuser et puis vous dire merci quand même. L'essentiel, c'est qu'on t'ait retrouvé, fiston. Je pensais que vous alliez jamais revenir. D'ailleurs, papa? Oui, fiston? Je peux avoir une Switch? On a encore de la route. Et si t'es sage, je t'offrirai une Switch. Yeah! On va faire quoi de l'autre Blue Bar? Et toi? Ça, c'est pour Dimitri! Ça? C'est fait. Rentrons chez nous.